Le Stade Bollard chauffé à blanc ce samedi soir pour ce choc de la 26e journée de Ligue 1 entre le Racing Club de Lens, 5e au classement avec 42 points, et l'OGC Nice, 6e avec 40 points. Seulement deux petits points séparent les Saints et Or des Aiglons. Un match extrêmement important pour la course à l'Europe. Les Lensois, en cas de succès ce soir, pourraient se hisser sur le podium de la Ligue 1 à égalité de points avec l'AS Monaco, provisoirement bien sûr. Et pour les Niçois, en cas de victoire, ils prendraient la 4e place au Lillois. Allez, on va se pencher sur les compositions des deux équipes et on va commencer par celle concoctée par Frank Hens. Et dans les buts, on trouvera le capitaine Sang et Or, Brice Samba, avec une défense à 3 centraux. Medina, Kevin Danso et Jonathan Grady de piston, Frankowski et Ruben Aguilar, Elan Aoui et Mendy en récupérateur. David Pereira da Costa aux côtés de Florian Sotoca en soutien de Eli Wahi, auteur de 5 buts cette saison en Ligue 1. Eli Wahi. Et du côté de la composition de l'OGC Nice, concocté par Francesco Farioli, on retrouvera dans les buts titulaires ce soir Maxime Dupé avec une défense à 4, Melvin Barnes, Dante Todibo et Lotomba, 3 milieux de terrain, Kefren Thuram, Hicham Boudaoui l'Algérien aux côtés du Néerlandais Pablo Rosario, et devant les 3 attaquants, Jérémy Boga l'Ivoirien côté gauche, côté droit on retrouvera Gaëtan Laborde, et dans l'axe Taren Moffi, le meilleur buteur du gym avec 7 buts. Gaëtan Laborde suit derrière avec 4 buts à égalité avec Jérémy Boga. 4 buts également. Le gym, après un début de saison exceptionnel, est en train de caler sérieusement puisque les Niçois n'ont pris qu'un seul petit point sur les 5 dernières journées. Et pour les Nordistes, c'est tout simplement le contraire. Avec un début de championnat raté, les Saints et Or sont en train de faire une remontée spectaculaire et restent sur 2 victoires d'affilée. Allez, c'est parti pour cette 26e journée de Ligue 1 2023-2024 entre le Racing Club de Lens et l'OGC Nice. Hicham Boudaoui, Taren Moffi, il va revenir s'appuyer derrière sur l'Algérien, il va décaler Kefren Thuram. Kefren Thuram, il ne passera pas. Kefren Thuram face à Kevin Danso, Eli Wahi, David Pereira da Costa, Eli Wahi qui accélère, il tente le grand pont sur Todibo. Qui a pu récupérer ce ballon et écarter sur Melvin Bard, qui est Fred Thuram, qui va décaler Jérémy Boga, il a du champ, il a de l'espace là, l'Ivoirien, Jérémy Boga qui va pouvoir centrer pour Taren Moffi, plat du pied pour Taren Moffi qui vient inscrire le premier but de cette rencontre, et le 8e but pour le Nigérian qui vient glacer les tribunes du Stade Bollard sur leur première occasion, les hommes de Francesco Farioli. Eh bien, ça fait mouche sur ce centre incroyable de Jérémy Boga au premier poteau pour Taren Moffi qui devance l'international autrichien Kevin Danso qui est trop juste. Un but à 0 pour l'OGC Nice face au Racing Club de Lens. Les points serrés de Taren Moffi. Et il va falloir très très vite réagir là pour les nordistes. David Pereira da Costa, Frankowski, le polonais qui accélère. Gros coup de rein là de Frankowski face à Lotomba. Il est passé Frankowski, il est taclé par Lotomba. Et l'arbitre, oui, il vient le voir parce qu'il commet la faute là. Lotomba, Jordan Lotomba, et ça va donner un mini corner pour les Saints et Or. Et c'est Frankowski, le polonais, qui va le frapper pour Elan Aoui, non, qui est devancé par Todibo, qui va écarter le danger, mais ça va revenir pour le Racing Club de Lens. Florian Sotoca, il est passé Florian Sotoca, il est face à Dante, il s'en sort bien Sotoca pour Eli Wahi, l'ouverture du score signé Eli Wahi, son 6e but cette saison en Ligue 1, et il vient faire soulever les tribunes du Stade Bollard.
Ouais, superbe. Contrôle orienté. Frappe du pied gauche. Et Maxime Dupé, trop court. Eh bien, ça fait un but partout entre les Niçois et les Lensois. Ils ont très vite réagi, là, les hommes de Frankens. Pablo Rosario, le Néerlandais qui est passé. Pablo Rosario qui rejoue dans l'axe sur Terrain Mofi. Et bon retour. Bon retour de Kevin Danso qui va prolonger à El Alaoui. Qui va allonger. Superbe ballon là pour Frankowski. Qui va rejouer dans l'axe sur Eli Wahi, mais passera pas face à Todibo. Hicham Boudaoui. Terrain Mofi. Terrain Mofi qui vient s'appuyer sur l'Algérien. Hicham Boudaoui. Plein axe, Hicham Boudaoui, petit crochet, il vient s'appuyer sur Pablo Rosario, contré par Medina, mais ça revient dans les pieds du Nigérien Terrain Mofi. Terrain Mofi qui arrive à se retourner et à déclencher sa frappe, et il a fallu une parade exceptionnelle, fantastique, éléphantesque. Main opposée du capitaine sans et or, Bressamba. Corner pour le gym. Il le joue à deux. Kefren Thuram. Terrain Mofi de la tête. Pour Todibo. Jérémy Boga. Il est passé. Jérémy Boga qui rentre dans la surface d'opération. La frappe croisée. Et il vient tromper Brice Samba et mettre le deuxième but de l'OGC Nice. L'Ivoirien. Et il vient une nouvelle fois climatiser les tribunes du Stade Bollaert. Oh ouais, il se joue de l'Argentin Facundo Medina, une frappe croisée derrière. Brice Samba est battu et Jérémy Boga qui vient inscrire son cinquième but cette saison en Ligue 1 et redonner l'avantage au Niçois. Eli Wahi, Florian Sotoka, Jonathan Grady, Florian Sotoka. Et mauvaise passe du Narbonnais directement sur Hicham Boudaoui. Todibo. Hicham Boudaoui. Thuram. Thuram qui n'est pas attaqué. Il a tout le temps d'ajuster sa passe sur Hicham Boudaoui. Et bon pressing là de El Naoui. Il va donner tout de suite ce ballon. Florence Otoka qui est taclé par derrière. L'arbitre l'a joué l'avantage. Florence Otoka qui s'est vite relevé. Il va redonner ce ballon à El Naoui dans l'axe. Et mauvais contrôle là de Florence Otoka. Qui n'a pas pu s'emmener ce ballon. Terrain Mofi. Terrain Mofi face à Kevin Danso. Il fait parler sa puissance le Nigeria. Terrain Mofi qui va décaler Pablo Rosario pour Hicham Boudaoui. Pablo Rosario, Gaëtan Laborde, ça joue bien du côté niçois. Kefren Thuram qui frappe mais contré par Jonathan Grady. Ruben Aguilar, l'ancien monégasque. Il est passé là, Ruben Aguilar, magnifique. Il accélère, gros coup de rein là de Ruben Aguilar. Il va peut-être pouvoir ajuster son centre en retrait sur Florian Sotoka. La frappe qui n'est pas cadrée de Florian Sotoka. Et monsieur l'arbitre qui revient sur la faute de tout à l'heure de Melvin Bard. Et il va prendre un carton jaune. Melvin Bard, l'arbitre qui vient calmer tout le monde. Alors, est-ce qu'il aurait pas dû rester au sol pour les Lensois, là, Florian Sotoka? Il s'est relevé très très vite. Maxime Dupé. Todibo. Lautomba. Il prolonge à Hicham Boudaoui. Terrain Mofi. Terrain Mofi, côté gauche, sur Jérémy Boga. Allez, monsieur l'arbitre qui renvoie les deux équipes au vestiaire sur ce score de 2 buts à 1 pour l'OGC Nice qui pour le moment, font la bonne opération de cette 26e journée de Ligue 1 grâce notamment au deuxième but de Jérémy Boga. C'était Terrain Mofi qui avait ouvert le score, égalisation à la 18e minute de jeu d'Eli Wahi. Allez, on se retrouve pour la deuxième période. Allez, on se retrouve pour cette seconde mi-temps. Pour cette 26e journée de Ligue 1 entre le Racing Club de Lens
et l'OGC Nice et une histoire pour le moment qui mène 2-1. Pablo Rosario qui est pris par El Aoui, Kevin Danseau, Frankowski. Frankowski face à Pablo Rosario et le Néerlandais qui a le dernier mot. Il va décaler Todibo. Todibo qui est pressé par Eli Wahi, il arrive à remettre sur son capitaine Dante. Le Brésilien qui va retrouver Kefren Thuram. Qui prolonge à Pablo Rosario. En profondeur, mais il y avait Kevin Danseau qui a pu récupérer ce ballon, qui monte ce ballon, qui va donner à Florian Sotoca qui réalise une mauvaise talonnade, mais il s'en sort bien. Là, Florian Sotoca, David Pereira da Costa, Sotoca qui repique dans l'axe, Sotoca, la frappe de Florian Sotoca qui n'est pas cadré. Il était battu, il me semble, à Maxime Dupé. Mendy va laisser sa place à Andy Diouf du côté des hommes de Frankens. Quelle occasion là pour les 100 et or d'égaliser Maxime Dupé. Dante, Melvin Bard et gros pressing là de Florian Sotoca, c'est bien joué là de Florian Sotoca face à Dante. Le centre contré va obtenir un corner là. Florian Sotoca, le Stade Bollard est debout. On revoit cette frappe. Ouais, mais il est gêné, à part Kefren Thuram. Florian Sotoca. Allez, Ruben Aguilar pour frapper ce corner. Il le joue à deux. Avec David Pereira da Costa, le centre. Il trouvera personne. Le Portugais. Attention au contre là pour les Lensois. Terren Moffi qui s'en va, qui va décaler. Jérémy Boga. Jérémy Boga face à Grady. Superbe tacle de Jonathan Grady. Et c'est une attaque maintenant pour les hommes de Frankens avec Florian Sotoca. Florian Sotoca, qu'on voit beaucoup. La frappe de Florian Sotoca, c'est contré, c'est pas fini. David Pereira da Costa qui contrôle bien, qui enchaîne la frappe derrière. Mais superbe parade de Maxime Dupé derrière. Et David Pereira da Costa qui va sortir d'ailleurs à la place de Angelo Fulgini. Pour essayer de faire la décision de donner du 109 dans cette attaque nordiste. Kefren Thuram, Hicham Boudaoui, Pablo Rosario, Terren Moffi. Et mauvaise talonnade là du Nigérian, ça va profiter au sang et or. Ruben Aguilar, Florian Sotoca. Florian Sotoca, oh, superbe crochet, il talonne derrière. Et il va perdre le ballon derrière, c'est dommage là. Il s'est mis un peu en difficulté tout seul là. Florian Sotoca, Terren Moffi. Terren Moffi qui va décaler Pablo Rosario pour Thuram. Thuram qui accélère. Thuram et superbe intervention de Kevin Danseau, mais il fait une mauvaise relance là. Il met ce ballon directement sur l'Ivoirien Jérémy Boga. Thuram qui va perdre ce ballon. C'est récupéré par les Saints et Or. Reperdu derrière. Terren Moffi, bon ballon, il n'est pas hors jeu. L'Ivoirien, centre second poteau, un peu trop long ce centre de Jérémy Boga. Et Frankowski qui peut le récupérer. Il y a peut-être une faute là sur le Polonais, mais l'arbitre l'a joué l'avantage. Et Lautomba peut le récupérer. Le Suisse qui va pouvoir déborder. Il est face à Facundo Medina. Lautomba, et c'est l'Argentin qui aura le dernier mot. Il va remettre sur Andy Diouf. Allez, mauvaise relance directement sur l'Algérien Hicham Boudaoui qui va retrouver Lautomba. Lautomba pour Terren Moffi qui frappe contré et ralentit cette frappe de Terren Moffi par l'international autrichien Kevin Danseau. Et on est rentré dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Et une histoire qui mène toujours 2-1 face au Racing Club de Lens. Eli Wahi, Angelo Fulgini, Andy Diouf pour Medina. Andy Diouf. El Aoui. Andy Diouf. Medina. El Aoui. Andy Diouf. Ouais, c'est un peu stérile, hein, ça, du côté lensois. Eh oui, ça manque de vitesse, là, dans le jeu sans et or, et les Niçois peuvent en profiter. Pablo Rosario qui manque sa passe, c'est récupéré par Medina. El Aoui, Angelo Fulgini, Andy Diouf. Il reste 2 petites minutes et il y aura une faute sur Andy Diouf de la part du capitaine niçois Dante, et va prendre un carton jaune, le Brésilien. Ah, il est en retard, ouais. Dante.
Et Lanaoui va être remplacé par Salis Abdoul Samed. Et côté niçois, Pablo Rosario va laisser sa place à l'ancien joueur du Racing Club de Lens, Alexis Claude Maurice. Frankowski pour tirer ce coup franc pour la tête de Fulgini en retrait sur Facundo Medina. Fulgini, Angio Fulgini, et les Wai! Oh, l'égalisation dans les arrêts de jeu pour le Racing Club de Lens! Signé Eli Wai! Explosion de joie dans les tribunes du Stade Bollaert! On revoit cette frappe de l'attaquant de l'équipe de France Espoir, Maxime Dupé, battu 2 buts partout entre le Racing Club de Lens et l'OGC Nice. Au mental les Lensois, au mental. Et c'est terminé sur ce match nul entre le Racing Club de Lens et l'OGC Nice. Et ils reviennent de loin, hein, les Lensois. Grâce à un doublé d'Eli Wai dans les arrêts de jeu de cette rencontre et qui a marqué son 7e but cette saison après avoir égalisé face à ce but de Terrain Moffi qui avait ouvert le score plat du pied. Merci de m'avoir suivi et j'espère à bientôt.